gauche à droite, normalement, mais qui se lisent aussi de droite à gauche. Je vous en ai donné toute une liste parce que je ne vous demande pas de faire des palindromes. Hein, vous comprenez. Oui, oui, oui. Oui, là. Donc, voilà. Toute une liste de palindromes. Hein. Je vais vous donner là. Il y en a qui sont tirés par mes choux. Oui. Ah ben oui. Hein. C'est lui par Papin, oui. Voilà, il y en a des connus. Hein. Ésope, ah oui, il y en a des connus, il y en a des moins connus. Voilà, il y a l'histoire de Élie par cette frappe. Voilà, Élie par cette frappe. Donc, l'atelier va être en deux parties. Deux parties distinctes, mais deux parties sur les palindromes. Alors, la première partie, par rapport à un de ces palindromes, ou un autre que vous connaissez, si vous en connaissez, à une autre phrase avec des enfin une autre phrase palindromatique, eh bien, vous allez écrire un texte, un petit texte. D'accord? Ça, c'est le premier travail. Donc, un de ces palindromes, vous choisissez de notre texte. Ce sera le début, la première phrase. D'accord. Votre première phrase, elle doit être, ça doit commencer avec un palindrome. D'accord. Donc vous choisissez un palindrome dans la liste, et à la suite de ce palindrome, vous composez un texte. Alors en fait, le palindrome que vous allez choisir va donner le ton de votre texte. Oui, si vous choisissez un palindrome loufoque, le texte loufoque, si vous choisissez ta fesse n'a le désir irisé de la mettre fat, n'est-ce pas, il pourra être un petit peu gentiment érotique, si vous voulez. On fait à deux ou ça? Ça vous fait tout seul. En longueur, En longueur, on va dire plutôt en temps, je vous accorde 20 minutes. D'accord. Pour cette première partie. D'accord? Oui, parce qu'après il y aura une deuxième partie. Qui a un rapport avec ça? Non, mais un rapport avec les palindromes, mais pas avec ça. Bon, moi je vais taper le texte de Dolly. Je retrouve maintenant. Alors, je ne sais pas si j'en ai rien, moi. Bah, bien sûr que si, comme d'habitude. On a des gros doutes au début. Dolly, vous êtes toujours arrivé à tout. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont vous parler là-dedans. Quand vous lisez engage le jeu que je le gagne, regardez, ça fait engage. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Et bien alors, c'est tout. Vous choisissez une phrase, et puis après, vous la continuez comme vous voulez. De devant ou de derrière? Non, par exemple, si vous prenez rayon noir, et bien vous mettez rayon noir, virgule, le soleil ne brille plus dans le ciel parce qu'il s'est mis à neiger, etc. etc. Oh, non, c'est bon.